Alors l'idée du projet du collectif est née il y a un peu plus de 20 ans lors d'une soirée au Cinéma Med ici à Bruxelles où des jeunes lors d'un débat ont trouvé qu'il n'y avait pas de place pour eux s'exprimer sur la télévision. Il se fait que le directeur de BX1 était présent à cette soirée-là, que le directeur du CVB était présent aussi et que donc ils ont dit chiche, on le fait. Et c'est comme ça qu'est né Coup de pouce à l'époque, puisqu'il y a 20 ans, ça s'appelait Coup de pouce. Les thématiques traitées sont très très larges. Globalement, on va parler de thématiques de société, de thématiques qui touchent le public qu'on a à l'instant T. On a parlé travail, on a parlé genre, on a parlé drogue, violence policière. Enfin, il y a vraiment des thématiques de société, mais qui à chaque fois sont choisies généralement par le groupe. Et même quand la thématique n'est pas choisie par eux, elle est assez large pour qu'ils se l'approprient et qu'à l'intérieur, ils en fassent ce qu'ils veulent. Les messages que les participants veulent transmettre varient en fonction de chacun. Après, on essaye globalement qu'il y ait un message général qui sorte du film. L'atelier, nous, on est en éducation permanente. Donc forcément, le but, c'est de continuer à ce que le film fasse sortir des idées préconçues qu'on pourrait avoir. Je pense notamment au film qu'on a fait sur le travail récemment, où on abordait le travail du sexe et où ça a cassé pas mal d'idées préconçues que et les participants et moi-même avions sur le travail. Quoi. Alors le collectif, il est ouvert à tous à partir de 18 ans. Là, il y a une raison un peu officiel qui est on est en éducation permanente et l'éducation permanente c'est à partir de 18 ans, il n'y a pas d'âge limite. Après, c'était il y a 6 ans qu'on a ouvert le collectif, il y avait une volonté aussi parce que c'est de nouveau, ça permet, plus on va diversifier les participants, plus ça va enrichir puisque on va aller chercher dans les parcours de chacun, dans les histoires de chacun, dans les points de vue de chacun sur une thématique et automatiquement ça va aider. On a eu entre autres une dame qui avait 52 ans qui est venue avec nous pendant presque une année. Ben oui, quand on a parlé de problématiques de genre, elle n'avait pas le même regard que le reste du groupe et ça a permis d'enrichir elle, mais d'enrichir aussi le film et de sortir de quelque chose où on avait peut-être un peu tous la même vision, on allait tous dans la même direction. Ça fait 20 ans qu'on est diffusé sur BX1. Le collectif a évolué sous différentes formes depuis tout ce temps-là, mais on a continué à faire des diffusions. Là, on est un dimanche par mois diffusé sur BX1, plus les multiples rediffusions, forcément. On a des petites victoires. Et ça, c'est intéressant. Au niveau des participants, je disais tout à l'heure, il y en a qui reprennent leurs études en cinéma ou en com ou autre. Là, on en a qui sortent de l'IAD avec une 10. C'est clair que ça fait plaisir de savoir que c'est grâce à nous, quelque part, qu'ils ont pu rentrer dans le milieu et tout ça, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et après, suivez-nous sur les réseaux, Facebook, Insta, YouTube, Collectif Extérieur Jour, on est présents partout. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre.